pouvais pas projeter l'autre PowerPoint, donc ce sont mes assistantes qui vont vous montrer le PowerPoint. Alors donc le titre du cours d'aujourd'hui, les grands, non, Eva, montrez-leur parce que moi je connais, les grands explorateurs, voilà, l'histoire des grandes explorations pour les nuls. Voilà, merci Eva. Alors, premier, hop là. Alors, il faut deviner qui est-ce. Alors, Laurence. Oui. Voilà, moi je connais. Donc, c'est pour ça que je fais comme ça. Oui, voilà. J'écoute ce que vous dites. Alors, ne bougez plus. Alors, qui est-ce? Alors, Julie. C'est un bateau, c'est bien. Bravo. Eva. Alors, mais qui est-ce? Tournez votre feuille, c'est à l'envers. Écoutez, s'il vous plaît. Avancez-vous. Et donc, c'est Ulysse. Ulysse, bravo, il y en a qui suivent dans la salle. Merci. Alors, le deuxième. Ulysse. Arrête de gesticuler, Laurent, s'il vous plaît. Moi aussi j'aime bien avoir les dessins, c'est mieux. Qui est-ce comme explorateur? La guerre. J'ai entendu. Je sais pas, j'ai entendu Christophe Colomb dans l'Assemblée. Christophe Colomb. Voilà, c'est ça, c'est Christophe Colomb. Bravo. C'est le pirate Cari. Pirate Cari. La lune, l'équipe. Alors comment il s'appelle? C'est pas le nom. Thomas Pesquet. Valais pas les belles. Arrête pas de dire. C'est pas le Pesquet. Thomas Pesquet, je l'ai entendu. Bravo. Le bateau pirate. Iram. Vous connaissez pas la pirate. Iram. C'est normal. Notre chef, est-ce qu'elle sait notre chef? Et c'est pas notre chef. Et que nous n'avons pas, parce qu'on l'a oublié à l'IME.